Elle va patiner sur une musique de Ralph Vaughan Williams. Appréciez, regardez, c'est superbe. Kim a également chuté, mais Yuna Kim a fait une très très belle interprétation ici au Palais Omnisports de Paris-Bercy. Elle n'a que 16 ans depuis le 5 septembre. Oui, c'était formidable. Elle n'a pas craqué, comme au State Canada, où elle était première après le programme court, et elle a fini troisième du livre. C'est ce qu'on expliquait, je me souviens l'année passée concernant Brian Joubert. À partir du moment où on a des résultats, eh bien après, il faut continuer à prouver qu'on est bon. Et c'est quand on ne vous attend pas, il est bien plus facile d'arriver la fleur au fusil, de faire des performances et de dire voilà ce que j'ai fait. Ah ben oui, mais maintenant, effectivement, je suis première.
ah ben ça va pas être la même histoire parce que maintenant on m'attend. Donc si on m'attend, j'ai un petit peu plus de pression sur les épaules à gérer, des choses qui sont complètement différentes et qui font que maintenant, ben, la petite Yuna Kim qui était petite, elle commet des erreurs aussi. Bien, sur les ralentis de Yuna Kim, on va vous faire peut-être gagner un appareil photo numérique sur Paris Première en vous posant la question suivante, mais surtout si vous y répondez correctement. À quelle place Brian Joubert a-t-il terminé le championnat du monde 2006? Deux solutions. Première réponse, deuxième. Seconde réponse, cinquième. Vous pouvez téléphoner au 08 97 66 00 et 01. Autre solution également, le SMS. Vous envoyez trophée par SMS au 61 600. Alors on va peut-être... Voilà, on revoit au ralenti un triple loot magnifique de Yuna Kim. Donc on parlait de cette évolution progressive. Et même si elle a commis quelques petites erreurs, eh bien, elle a fait une performance sensiblement différente de celle dont vous parliez à l'instant, Christophe, puisque là, c'est elle qui va remporter ce trophée Bompard. Et quand même, quel exploit. Et d'ailleurs, je voulais rajouter une petite information tout à l'heure. Je voulais dire que, et vous n'en parlerez pas parce que vous êtes humble, modeste, mais surtout vous êtes une maman, Nathalie. Vous êtes entraîneur à Villeneuve-d'Ornon et votre fille est en train de faire des choses pas mal. On va lancer la pub et on parlera de votre fille un petit peu plus tard. Alors que vous avez le classement, voyez la confirmation, la sud-coréenne devant la japonaise, l'américaine championne du monde, Kimi Messner, qui clôt ce podium de la compétition.